Dans une autre nation. Ça n'a pas été facile. Lorsqu'elle m'a amené,
Dieu sur ton enfant. Dieu ne peut pas aller avec la honte en Côte d'Ivoire. Vraiment, pour ceux qui savent, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais les gens ont souffert. Mais Dieu a permis que la scolarité soit pourvue. La scolarité a été payée. Et Dieu m'a donné le diplôme d'État terminé. Thank you.
connais, c'est la rentrée du marché. Et je dois avoir le départage. Je dis, j'ai le temps de téléphone que tu m'as appelé. Ça arrange toi pour m'appeler ça. Donc, je pars faire le marché, je reviens. Quand je reviens, il me dit, la veille, on revient comme ce téléphone. Donc, la batterie est morte. Je suis chauffée parce que ça peut venir. Il me dit, ah, tu vas pas t'arranger. Moi, je laisse ça. Moi, j'ai pris mon. J'ai gardé mon rendez-vous de la lumière. Donc, je garde mon rendez-vous. La vie que je portais pour aller au rendez-vous, c'est de chez moi, d'Asia, à tous ces 5 minutes. Je me demande dans le rond, je descends, dit que je portais le bouton de 2 points qui tiennent dans la vie, ce coupe. La vie, je tiens la vie comme ça pour aller au rendez-vous. J'ai 10 minutes d'abord, parce que je vais aller à l'avance, je vais aller à l'avance. Donc, j'ai 10 minutes. La vie est coupée. Donc je vais aux alentours, il y a une couturière machin. Donc je vais, et voilà une méthode de couture, effectivement, je vais jusqu'à ma chérie pour les départs. J'ai un rendez-vous, si ce n'est pas ce que je suis. Elle me dit, ah, elle n'est pas la police. Elle dit, ah, mais j'ai une méthode de faire, tu ne peux pas me quoi. Elle dit, non, elle n'est pas pour ici. Et puis ça a été fait pour toi, elle, ça ne marche pas. Elle dit, il faut l'aider. Elle dit, mais elle n'est pas pour ici. Qu'est-ce que c'est dans l'autre appel de l'église, c'est moi. Elle dit, ça a été mais si tu vas, tu attends. Elle a mis peut-être 2 minutes, 3 minutes, le temps en arrivant frais, c'était comme si c'était des vérités. Il ne faut pas jouer la page, je vais être en retard pour le rendez-vous, tout ça, vraiment. À la place, je vais être venue à temps. Elle était obligée à mettre le temps, elle a mis, et puis elle me dit que là, il faut que je lui donne de la nouvelle destinée, ça va prendre les 500 francs. Si je donne les 500 francs, je le prends chez moi. Je ne peux pas te donner les 500 francs. Donc, prends-moi ce qu'il fallait donner 200. Et moi, je vais le prendre chez moi. Alors, ce soir, elle est le bouton, je vais m'acheter des chrétiens. Elle dit que je suis chrétienne. Pas de rien. Moi, je suis fils de Jésus. Moi, je parle de Jésus de Jésus. Mais quand tu fais les choses là, il ne faut pas trop chercher à voir ce qui t'arrange, ce qui t'arrange pas. Il faut faire seulement pour arranger dessus. Ce que tu fais là, c'est que tu as gagné. Donc, quand j'ai venu avec elle, je suis allée à l'interview. D'habitude, bon, avant ça, je voulais mes dossiers pour le volontariat. Mais quand j'ai mon rendez-vous, le soir d'une manière de demande. Mais ce jour où je suis partie, c'est le principal qui s'est arrêté qui m'a reçu. Thank you.
embaucher. Voici votre contrat. Vous allez à la souffrance à 20%. Votre fils est pris en charge. Et plein d'autres choses dans la gloire du Seigneur. Mais je suis venu de nom du Seigneur. Je veux des témoignages de connaissance. Parce qu'il fait beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses dans ma vie. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Si je veux rendre des témoignages, on ne va pas prier le Exode 10, 24 à 26. Exode chapitre 10, verset 24 à 26. Pharaon appela Moïse et dit : Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit : Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un homme, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pharaon, voyant que la main de Dieu s'apesantissait sur lui et réalisant que le peuple d'Israël va certainement partir, il a commencé à négocier. Il voulait voler. Il dit, bon, je voulais partir. Prenez les enfants partaient, laissaient les brebis et eux, laissaient tout ça ici. Moïse lui dit, ah bon, nous on va aller adorer Dieu. C'est toi qui vas choisir les brebis qu'on doit aller sacrifier à Dieu, notre Dieu. Et dit à Moïse, et dit à Pharaon, hey, laisse-nous tranquille. Nous partons avec tous nos brebis, avec tous nos brebis. Acclamez pour Moïse. Si c'est toi, tu pouvais dire merci pour que je sois libre. Quelqu'un dit ici que même si tu vas aller en enfer. Il y a des gens qui sont là, l'aide est pris. Dites. Dis non, je prends les prédits et les peurs de part avec tout le monde et les cages. Parce que je dois servir l'Éternel avec mes biens. Dis, je pars avec mon corps, mon âme et mon esprit. Je dois servir le Seigneur avec ma vigueur. Ma santé. Ma santé physique. La santé de mon âme. Et la santé de mon esprit. Je ne donne rien à Pharaon. Le problème, c'est que beaucoup sont déjà partis et les choses sont restées. Mais nous allons faire un petit tour, aller parmi tous. Alléluia. Ne dis pas que oh, je suis mort, c'est fini pour moi. En Jésus, il n'y a pas de. Et comme le président a dit, le livre auquel les siècles n'ont besoin d'être final. En Jésus, il n'y a pas de fatalité. C'est pour cette raison qu'il nous a enseigné l'art de prier. En Jésus, on crée, on achève, on détruit, on plante, on déracine. Alléluia. Il a fait de nous ses profils. Acclamez pour Jésus-Christ. Je proclame que je suis enfant de Dieu. Et l'Éternel a envoyé son fils Jésus-Christ pour me racheter, pour faire de moi un enfant de Dieu. Et il a fait de moi un confié avec Dieu, un sanctificateur. Je dois posséder tous mes biens. Je dois posséder tous mes biens. Je dois posséder toutes mes facultés.
avec mon achat, avec mes diplômes, avec mes relations, tout ce que Dieu m'a donné doit être au service de mon Dieu. Je ne laisse rien à Dieu. Dis ça. Va. Je récupère maintenant même. Tout ce qui m'a été fait. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Tout ce que j'ai négligé. Qui a été volé. Sont pas les démons. Sont pas les hommes. Sont pas enchantement. Enchantement. Par ruse. Astuce ou mensonge, ce sont dans le monde spirituel, dans le monde réel. Ceux qui ont pris mon argent, ils ont emprunté, ils ont gardé le peuple. Tous ceux qui ont pris les objets, ils ont gardé. Tout ce qui domine. Avec mes frères, unis dans le corps de Christ, qui est l'Église,